Boa tarde a todos, bom dia, boa noite para quem estiver já na Europa. Hoje estamos aqui com dois sociólogos, professor Dr. Carlos Alberto Doria, professor Dr. Jean-Pierre Poulain e uma antropóloga, professora Dra. Julie Cavignacchi. Os três são especialistas e pesquisadores que estudam comportamento social, as escolhas culturais, os hábitos, as formações de organização social, as formas de interação, dentre outros, sejam esses sociais, sociedades, sejam eles em sociedades tradicionais ou contemporâneas. Hoje vamos falar sobre culinária brasileira. E aí eu faço já uma pergunta para essa conversa para o professor Carlos Alberto Doria. Existe uma culinária brasileira? A gente pode falar de uma culinária brasileira? Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a pessoa esteja vendo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês e debatendo com colegas que eu prezo tanto. Eu acho que a sua pergunta precisa ser nuançada. Eu acho que nós estamos aqui para fazer isso, né? É claro que na minha ideia existe uma culinária brasileira e na sua também, mas como historicamente se formou isso, né? Eu acho que isso se formou em dois planos, num plano prático, real, e num plano ideológico. Eu gosto muito de relembrar uma frase do poeta Carlos Drummond de Andrade, que ele diz que as coisas são sempre duas, uma a coisa mesma e outra a imagem da coisa. Então, eu tenho a impressão que existe um processo de constituição dos modos de comer, né? Existe um processo de transformação material e que historicamente evolui, e existe um processo de representação desta vida material e real, né? E a culinária brasileira é exemplarmente isso, né? Existe um processo culinário que se forma por 400, 500 anos, não é? E existe um processo de qualificação, digamos assim, dessa culinária como brasileira, que é coetânea com a formação tardia das nações, não é? Na Europa, nós temos a Itália e a Alemanha, e temos as nações ex-colônias pelo mundo todo, né? O caso do Brasil é esse. Então, nós temos, no final do século XIX, a formação de uma ideia de nação que tem uma discussão autônoma em relação à culinária, né? É claro que a cultura francesa é essencialmente aquela que mais influencia o mundo erudito brasileiro, né? E nessa discussão de nação, por exemplo, eu gostaria de citar o texto de Ernest Renan, o que é uma nação, não é? Eu acho que os nossos intelectuais todos leram isso e brigaram com isso durante décadas, não é? E existe uma outra discussão europeia muito importante também, que é sobre as raças humanas, não é? O pensamento racialista europeu do século XIX impacta fortemente a discussão sobre a formação da nação e a formação da culinária brasileira, né? Então, estas duas vertentes é que convergem para o que nós vamos entender durante o século XX até hoje como culinária brasileira, né? Ou seja, a expressão culinária brasileira traz em si elementos dessas duas discussões mais propriamente do século XIX, né? Eu tenho a impressão que de um ponto de vista sociológico, antropológico, histórico, né? A representação da nação atrapalha um pouco o processo de identificação da culinária num plano material, né? Há várias interferências aí, né? Eu vou citar um exemplo. Quando se fala que o quiabo é africano, que nós estamos diante da culinária africana, de uma influência africana, eu acho que nós temos aí, como cientistas, que considerar o papel dos portugueses na mundialização de uma série de espécies vegetais, no âmbito do comércio do Atlântico Sul, e não tem muito sentido falar
uma culinária africana por causa do quiabo ou não. Então, acho que existem várias questões que precisam ser nuançadas. Né? Então, inicialmente, eu gostaria de pensar, então, que nós temos o encontro de várias tradições culturais, né? A portuguesa, vários povos africanos e vários povos indígenas, né? Centenas de povos indígenas, dezenas de povos africanos que nos são trazidos, né, como escravos, e portugueses que vêm do sul, do norte de Portugal, que também têm configurações alimentares bastante diferentes. Tudo isso é importante retermos para estudar a culinária. E do ponto de vista da ideia da coisa, como eu havia dito, né, nós temos a influência, que eu já disse, do Renan, né, de um texto como o do Renan, discutindo o que é uma nação. E nós temos aqui mesmo a formulação de um pensamento, que corresponde a essa ideia de uma nação brasileira. Eu diria que a primeira manifestação disso é uma conferência que o Carl von Martius faz no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1844, que ele define sob o título Como se deve escrever a história do Brasil, e ele chama atenção para a presença exatamente de negros, índios e portugueses, e eu diria que esta é a matriz original dessa ideia de miscigenação que acaba ideologicamente prevalecendo na sociedade brasileira e, por consequência, na sociologia brasileira. Como eu já disse antes, há outras influências, como a discussão sobre raça. Né? A Europa está toda ela, especialmente na segunda metade do século XIX, envolta com essa discussão. Se discutem teses bastante pontuais, como, por exemplo, a poligenia da origem humana ou a monogenia, né? Até que surge Darwin, que em 1871, no seu livro A Ascendência do Homem, deixa claro que todas as raças têm origem numa única fonte, né? Tem uma única origem. Essas discussões que se processam originam temas relacionados, por exemplo. O hibridismo produz uma descendência fértil ou não? Isso são coisas que quem está familiarizado com a discussão do evolucionismo tem isso muito presente, não é? Porque se nós tomarmos que há uma espécie de homem branco, outra negro e outra indígena, então essa discussão sobre o hibridismo, a fertilidade do hibridismo, parece pertinente. Né? A monogenia destrói isso, mas esta discussão estava corrente e eu diria que até a morte de Darwin, em 1882, ela ainda é muito forte. Né? Com a morte de Darwin, essa coisa arrefece, surge um pensamento que é bastante importante para o Brasil, que é o neolamarquismo, né? Reemerge o pensamento lamarquista, e com ele a crença de que as espécies se adaptam ao meio rapidamente, de uma geração para outra, por influência do meio você tem a transformação da espécie. Isso é muito importante na discussão sobre a formação brasileira, não é? Essa discussão, então, vai ser informada por isso também, né? Gilberto Freire, por exemplo, ele é declaradamente um neolamarquista, né? Declaradamente, ele tem várias passagens onde ele paga o seu tributo ao lamarquismo, né? Que ele vai herdar da sua formação americana com Boas, né? Nos Estados Unidos. Essa ideia, portanto, é uma ideia que vem a reboque desse contexto pós-darwinista, não é? E existem algumas ideias também que são importantes e persistentes sobre raça de um contexto anterior, né, que também estão presentes o tempo todo, como, por exemplo,
nos sertões de Euclides da Cunha. A importância de Euclides da Cunha na cultura brasileira é enorme, né? E o seu livro, Os Sertões, o que, que é? É exatamente o testemunho de como é impossível, será impossível a formação de uma raça brasileira pela intervenção destruidora do exército. Então, ali no sertão, se destruiu a possibilidade de uma raça miscigenada. Esse pessimismo do Euclides da Cunha é fundamental na história do pensamento brasileiro. E a ele se opõem autores que são otimistas, se a gente pode dizer assim, do ponto de vista racial, como o Silvio Romero. Por que, que ele é otimista? Porque ele acha que a sucessão de casamentos e de intercursos raciais acabará suprimindo a carga negativa do negro na sociedade brasileira. Então, o otimismo dele é o otimismo da supressão, né? Ou seja, é uma ideia que está presente também no final do século XIX e perdura até os anos 30, do século XX, né? Perdura até Gilberto Freire, vamos dizer assim. É essa oposição entre uma visão otimista e uma visão pessimista, né? Então, nós podemos tomar com tranquilidade que a formação da culinária brasileira se dá nesse contexto, né? A discussão sobre a formação se dá nesse contexto. E quando nós pegamos, por exemplo, o primeiro livro que fala em culinária nacional, Cozinheiro Nacional, está muito claro que as raças ficam num segundo plano e são traduzidas, vamos dizer assim, em ingredientes nacionais, né? Ele diz claramente, o autor, que é um autor anônimo, que, ao fazer uma cozinha brasileira, você vai substituir, por exemplo, o aspargo pela taioba, pelo talo de taioba e tal. Então, existe uma adaptação, digamos assim, de uma culinária francesa, em tudo francesa, tecnicamente francesa, europeia, mas, sobretudo, francesa. Nós não podemos esquecer a grande influência da França no mundo todo após a expansão napoleônica, né? Após as conquistas napoleônicas. Então, as elites dos países, colônias ou ex-colônias, querem ser afrancesadas, né? E esse cozinheiro nacional vai nos dizer qual é a condição de fazer uma cozinha francesa no Brasil, né? Já que nós não temos aspargo, não temos alcachofra, etc., como é que a gente resolve esse problema terrível, né? do mundo dos sabores, né? Então, eu acho que a colocação inicial minha é essa, né? Que nós temos nos apropriar de um processo histórico de constituição de uma culinária num ambiente colonial que tem várias configurações produtivas no seu imenso território. Uma coisa é o Nordeste, outra coisa é o Sudeste, outra coisa é a Amazônia, né? E, por outro lado, uma construção ideológica que procura compatibilizar, unificar tudo isso num discurso que é da culinária brasileira. A adjetivação brasileira custa muito para o cientista. É preciso entendê-la para não cair nas suas ciladas. Pardon. Desculpa, eu estava falando que eu tinha muitas perguntas. É muito interessante o que o professor Carlos Alberto Doria falou, acho que a gente pode discutir depois, mas eu vou passar a palavra para o professor Jean-Pierre Poulain, e já perguntando, eu não sei como é que um estudioso francês, um intelectual francês, vê essa culinária brasileira, e eu adiciono, essa homogeneização, essa vontade de existir uma culinária só, ela é voluntária politicamente? Como é que é? Por que que acontece isso? Essa necessidade, é uma necessidade de controle e conquista? E minha outra pergunta para os três é, o fato de adaptar uma receita torna um prato brasileiro ou francês? Ou... Merci. Alors, regardons quand même une cuisine, des manières de table. Je vais reprendre un peu l'idée que c'est deux choses. C'est d'une part la mise en scène des valeurs d'un groupe social à un moment donné, mais c'est aussi tout un ensemble de catégories techniques, de routines qui orientent l'action
et connecte les acteurs avec le contexte naturel. Donc cette double dimension, elle va être influencée quand on prend un pays donné et elle va immédiatement se mettre au pluriel. Elle se met au pluriel parce qu'elle s'inscrit dans des dynamiques sociales qu'elle crée, qu'elle supporte. Alors c'est tout d'abord la hiérarchie sociale. Dans la hiérarchie sociale et dans l'échelle, la mise en scène des valeurs va être pas tout à fait la même. Il va pouvoir y avoir un élément commun, mais il va y avoir des éléments de différenciation. C'est l'histoire du peuplement, les différentes vagues qui vont arriver, et le peuplement commence très tôt, avant la colonisation. Et il accompagne la colonisation avec d'autres groupes. Il suit la colonisation. C'est des influences régionales. Certains groupes vont s'installer, devenir dominants, développer avec une certaine originalité un certain nombre de ressources locales, vont mettre en scène des formes sociales, et donc on va avoir des expressions régionales. Et puis c'est quelque chose qui bouge dans l'histoire. Alors on a vu Carlos qui nous disait comment à un moment donné l'idée de la construction d'une nation, l'idée qu'on va au-delà de cette diversité créer quelque chose qui fait unité, comment les plats même vont devenir des symboles qui vont être manipulés, utilisés pour participer à la construction de cette identité, parfois en mythifiant les choses, en racontant une histoire. La feijoada constitue un exemple absolument intéressant. Donc on a tous ces éléments dont on voit que d'emblée, ils nous invitent à mettre brésilienne au pluriel, avec un S, et la cuisine, les manières de table, en fin de compte, c'est un dispositif qui sert à créer de l'identité et de la différence. Si on prend, par exemple, les populations indiennes pré-découvertes, à l'intérieur de ces populations, il y a tout un jeu de nuances culinaires. Et ce jeu de nuances, ils servent justement à marquer des identités et des différences à l'intérieur même d'un groupe qu'on aurait tendance à considérer, à massifier, à considérer comme un groupe. Mais les Portugais qui débarquent eux-mêmes arrivent avec venant de régions différentes. Il y a un nuancier. Voilà. Donc, cuisine et manière de table vont constituer un dispositif qui gère en tension l'identité, le singulier, ce qui rassemble et ce qui différencie dans un jeu de nuances. Alors, Carlos montrait l'influence française sur les élites, mais il y a une influence portugaise sur les intellectuels. Et je vais en citer deux. Je voudrais rappeler quand même Claude Lévi-Strauss, qui va théoriser à partir de l'expérience qu'il fait avec les Indiens Bororo et Nambikwara. Il va essayer de montrer comment la cuisine, les manières de table, jusque dans la constitution de ce qu'on va appeler l'exocuisine et l'endocuisine, c'est-à-dire la cuisine qu'on offre aux invités ou celle qu'on réserve aux clans, il va y avoir ce qu'il appelle la cuisine comme un articulateur de la culture et de la nature. C'est-à-dire qu'il y a un articulateur toujours original. Ça, c'est le premier rapport. Et ce premier rapport, voilà, il vient soutenir cette idée que chaque groupe humain va avoir une culture, que les sociétés, elles articulent, elles combinent différents groupes, et qu'on va être en permanence dans des jeux d'affirmation d'identité locale, sociale, de position, et d'éléments qu'on va quand même reconnaître par moment comme faisant commun, comme faisant quelque chose qu'on accepte de gérer. On est dans des logiques un peu de poupée gigogne dans lesquelles il y a des niveaux qui s'articulent. Deuxième auteur qui me paraît avoir bénéficié de l'apport brésilien, c'est Roger Bastide, avec cette idée de l'entrecroisement des civilisations qui fait que, je voudrais sans doute un peu le trahir, mais dériver par rapport à lui. C'est-à-dire l'idée que, vous voyez, dans ces dispositifs que sont les cuisines, système de valeurs plus système d'action, catégorie d'action,
lorsque des personnages se déplacent, ils se déplacent avec leur modèle alimentaire. Lorsque vous partez en voyage, bien sûr, vous allez découvrir ce qu'on mange localement, mais avec vos catégories mentales. Et quand les groupes sociaux entrent en interaction, il y a le métissage, c'est des choses qu'on peut analyser de façon très concrète, dans la façon dont les catégories de plats, les catégories de recettes, les produits migrent, se déplacent à l'intérieur avec parfois des équivalences symboliques, parfois des équivalences fonctionnelles. Et c'était très intéressant l'exemple donné tout à l'heure, comment un produit peut remplacer parfois, il joue le rôle de, c'est-à-dire il est dans la fonction, ou il est dans la fonction symbolique. Et vous avez ici un apport à l'anthropologie qui est venu du fait que Bastide était en observation participante dans un milieu où se mélangeaient, pour lui, des phénomènes religieux, qui s'interconnectaient. Et puis, je vais, sans doute, Julie va nous y venir, vous avez également des folkloristes qui sont absolument incroyables dans l'histoire de la pensée brésilienne, et sans doute, avec un talent de sociologue plus large, Carlos est héritier d'une partie de ce travail qui consiste à mêler un regard, on va dire folkloriste, un regard populaire, un regard sur les cultures, non pas les cultures savantes avec un C majuscule, mais une mise au pluriel des cultures, qui constitue sans doute quelque chose qui préfigure ce qu'on va appeler les cultural studies par la suite, et qui, chez des auteurs brésiliens, sont bien là présents, et qui se sont affranchis du regard européen, de la hiérarchie, de la grande culture, qui regarde avec condescendance les cultures locales. Voilà, tension, oui, allez, on met ça, tout ça, au pluriel. Bravo, merci Jean-Pierre. Et pour vous, Julie, qu'est-ce que vous pensez? Il y a une cuisine ou plusieurs cuisines brésiliennes? Bon, ça c'est une question, bonjour à tous. C'est une question à ne pas poser à une anthropologue. C'est une question piège. En fait, nous, on met tout au pluriel. Hein, et c'est vrai qu'on peut être d'accord avec Doria et avec Jean-Pierre pour dire que, en fait, la cuisine, en fait, c'est un processus de mélange, par définition. Hein. C'est des tentatives de recomposition qui sont par définition des tentatives culturelles. Hein. Pour le Brésil, et moi je vais parler plutôt d'un Brésil, peut-être un Brésil imaginaire, mais qui essaye de trouver ses racines. Et alors, Doria et Jean-Pierre ont parlé de Gilberto Freire, de Câmara Cascudo, hein. Mais c'est vrai que, bon, moi, j'habite à Natal, je suis héritière au moins intellectuelle de Câmara Cascudo, et c'est un héritage, des fois, parfois un peu controversé, mais c'est quand même lui qui a commencé à essayer de faire une sociologie de l'alimentation. Il a commencé, hein, il a commencé essayer de voir une sociologie et une histoire, hein, c'est parce que, comme Doria l'a montré, c'est toujours, il recherche dans les origines pour expliquer les faits sociaux, hein, ce que les anthropologues, en fait, essayent maintenant de renier, hein, parce que, en fait, on étudie la société, on observe la société, et on peut faire des correspondances avec l'histoire, évidemment, mais l'histoire n'explique pas tout. Hein. Mais Cascudo, je crois qu'il faut évidemment reconnaître, hein, son effort de systématisation, parce que c'est un gros bouquin, hein, sur l'alimentation brésilienne, hein, d'essayer de faire une définition de cette cuisine, de cet art culinaire brésilien, et de montrer les influences, et de montrer comment ces influences, elles se sont mélangées. Donc ce mélange serait à la base de la société brésilienne et de sa cuisine.
Et ça, cet imaginaire est vraiment très puissant. Il continue encore à s'inscrire dans la cuisine, dans un plat en particulier. Et c'est un plat d'exportation, on en a parlé, c'est la feijoada. Hein. Et la feijoada, Cascoud, je crois, c'est peut-être lui qui va mettre la lumière sur le premier sur la feijoada. Hein, Peter Fry, longtemps après, dans les années 70, va écrire un article sur la feijoada, mais d'essayer de montrer comment ce plat, en fait, va incarner cette unité nationale brésilienne. Cette unité nationale brésilienne, elle va aujourd'hui être de plus en plus contestée. Hein, et ça, on peut le voir avec les montées d'affirmations identitaires hein, qu'on a eues, surtout avec les politiques d'affirmation ethnique. Hein, on a vu que qu'il y a eu des émergences ethniques indigènes et une valorisation des cultures et des savoirs de l'histoire africaine au Brésil, chose qu'on discutait pas vraiment avant. Hein. Mais pour revenir un peu au nord-est, ça serait un petit peu, et là je rejoins bien Doria, hein, dans ma vision un peu de comment s'est constitué cet imaginaire national autour de la cuisine, le nord-est, et c'est peut-être pour ça qu'on a ces grands essais culturaliste, on peut dire, hein, de Cascoud et de Gilberto Freire, pour essayer d'expliquer l'histoire et la société brésilienne dans les assiettes, mais aussi dans les rapports sociaux. Et Gilberto Freire, quand même, hein, c'est lui qui a mis le doigt sur ces relations très ambiguës dans la cuisine entre les maîtres et les esclaves. Hein, son chef-d'œuvre hein, en portugais, Casa Grande Sem Sala, qui a été traduit et je crois que qui a imprimé cette image hein, d'une société mélangée, métissée, harmonique et qui a réussi à résoudre ces conflits dans les relations autour des casseroles. Hein. Ça, et cette vision, on peut dire qu'elle est de plus en plus controversée et on assiste peut-être aujourd'hui à une tentative de récupération de ses origines, de réethnisation de ces histoires et de ces plats. Alors, on peut essayer de voir dans la feijoada aussi un exercice d'imagination. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur la feijoada, mais en fait, on ne sait pas vraiment l'origine. Et alors, si on replace au niveau des régions du pays, la feijoada, ici au nord-est, on n'en parle pas, on n'en mange pas. Hein, la feijoada, c'est un plat dans l'imaginaire national qui est un plat de Rio hein, et qui est associé à des cultures afro-brésiliennes avec la samba, le candomblé, des affirmations ethniques bien fortes. Ici, au nord-est et surtout au Rio Grande do Norte où je me trouve, les haricots, on les mange de différentes façons. Oui, il existe, on peut dire que c'est un élément base de de l'alimentation encore aujourd'hui, hein, avec la farine, avec le riz. Hein, c'est ces trois éléments qui constitueraient un petit peu cette feijoada, mais il y a des variations, régionales, locales qui sont très fortes. Ici, on mange les haricots verts, hein, qui sont à peine mûrs. Hein, on les cueille très très verts et ils sont consommés sans,
viande, mais avec du fromage. Hein. Donc, on est bien loin de ce modèle de la feijoada, mais il y a tout un retour sur, par la cuisine, sur le passé, hein, sur ce passé colonial, puisque ce serait des... il y aurait des origines, hein, des origines coloniales à ce type d'alimentation. Ici, on mange beaucoup de produits laitiers associés, hein, à la cuisine. Hein. On met de la crème fraîche dans le riz, dans la viande. On met du fromage dans les haricots. Il y a cette association, hein, de la carne d'issau, hein, de la viande séchée, et avec la viande séchée, la farine, et ce mélange, ça serait la pasok, hein, la pasok, kaskoud va dire que c'est l'alimentation, le plat qui va servir à nourrir les premiers colonisateurs qui sont rentrer dans le sertan. Et là, je crois que Cascoud, on pourrait lui rendre hommage, c'est parce que c'est le premier à avoir parlé de ces cuisines de l'intérieur. Hein, parce que avant, on parlait plutôt, Gilberto Freire, lui, il a parlé plutôt de cette cuisine tropicale humide, hein, qu'on trouve dans les grandes plantations. Cascoud, lui, il a essayé de faire un effort pour retrouver, et par son expérience aussi, puisque lui, il est né dans l'intérieur du Rio-Grande du Norte, sa famille est dans l'intérieur, hein, de l'ouest du Rio-Grande du Norte, et donc il fait appel à ses souvenirs et à ses expériences passées. Et lui, on peut dire qu'il a un autre imaginaire, c'est cet imaginaire du colonisateur portugais, qui est souvent, hein, on a vu que c'est un bandeirante, c'est un soldat qui a été amené de São Paulo, de l'intérieur de São Paulo, qui a colonisé, qui a aidé à faire, à repousser les Indiens, hein, à les exterminer, avec Domingos Jorge Velho, qui a réussi à anéantir le quilombo dos Palmares. Donc c'est cette alimentation farine, association farine et viande séchée et sucre brut, qui serait avec des haricots, hein, parce que les soldats plantaient des haricots pour au retour les cueillir. C'est peut-être pour ça que, comme ses entrées étaient rapides, c'est peut-être pour ça qu'ici il les mangeait plutôt verts, hein. Mais donc c'est donc cette composition, hein, entre ces éléments, ces piliers de la cuisine nord-estine, de l'intérieur, qui va être récupéré aujourd'hui par les élites un peu enrichies, les classes moyennes, hein, qui ont migré de l'intérieur vers le littoral ou dans les grandes villes brésiliennes, hein, puisqu'on sait que le nord-est a fourni en main-d'œuvre beaucoup de travailleurs du bâtiment ou de services à Rio, à São Paulo. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on a une récupération, une revalorisation de cette cuisine régionale, de cette cuisine locale, de cette cuisine affective, hein, tant par ses descendants de ces familles, de ces classes moyennes qui qui ont gardé un petit peu ses habitudes alimentaires, hein, ce système alimentaire, ils l'ont transporté. Et on voit aussi beaucoup
de familles, hein, quand elles vont visiter des parents dans le sud, d'amener de la nourriture. Hein. Ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des recherches sur ça, mais c'est vrai que ça, ces flux de nourriture sont la marque, hein, de ce que la cuisine, les ingrédients, les formes alimentaires, elles sont importantes pour définir une identité. Et je vais m'arrêter là, hein, mais dans ces réappropriations culturelles, hein, c'est en fait ces cuisines affectives, hein, c'est une forme aussi de marquer son identité. Hein. Et c'est intéressant, je ne sais pas si, alors peut-être d'autres, on pourrait en discuter, mais j'ai l'impression que maintenant, alors que ça soit dans ces villes touristiques, comme par exemple à Natal, il y a eu des grands restaurants régionaux, je ne vais pas citer les noms pour faire de la pub, mais on peut dire des chaînes, hein, qui vont afficher cette cuisine locale et que les touristes doivent connaître pour connaître en fait le sel de la culture locale. Et on va pas visiter des musées, on va pas se déplacer dans l'intérieur, dans certains, mais on va au restaurant et on incorpore, ou encore on va faire un petit peu ce voyage, hein, dans le temps pour se réapproprier ces nourritures de ses ancêtres. Et à ce moment-là, afficher son histoire, marquer son identité. Imaginez évidemment, hein, d'un descendant d'un colonisateur portugais qui, d'un desbravador, hein, d'un colonisateur blanc qui va rentrer dans le sertan. Donc, bon, à mon avis, comme conclusion, hein, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vraiment au niveau de l'imaginaire, hein, au niveau de ces récupérations, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus à, hein, une tentative de réethnisation, de remise identitaire de cette cuisine, et non plus, hein, on peut ne pas parler d'une cuisine brésilienne, mais de différentes cuisines brésiliennes qui vont correspondre à des expériences, à des histoires, à des trajectoires individuelles et collectives. Merci, Julie. Se eu entendi bem, então não existe uma cozinha, são várias cozinhas. E aí eu passo de novo para o professor Carlos Alberto Doria a seguinte pergunta: então, se não há uma cozinha, como é que são essas cozinhas? Existe um meio de definir? Eu sei que é uma tentativa sempre de definir uma coisa, enquadrar, e para vocês isso deve ser horrível. O que é que o senhor tem a falar disso? Eu acho que essas duas intervenções, do Jean-Pierre e da Julie, colocam talvez a questão mais importante para o presente, que é a questão da diversidade identitária, não é? Quer dizer, esta ideia de diversidade que está na base da representação da culinária brasileira, é ela também construída, né? Ela é construída dentro de certos moldes, né? Como eu já havia dito, quer dizer, a redução da diversidade indígena a um índio só, da diversidade negra a um negro só, né? Isso já é um bom indicador, não é? Que são identidades que hoje são questionadas, né? Me chama muito a atenção um movimento de reavaliação, por exemplo, da culinária negra, que parte de uma ideia de diáspora da cozinha iorubá, né? A culinária iorubá é conhecida, né? Existem dois textos do antropólogo William Bascom, de meados do século XX, que dão um panorama muito, muito interessante dessa culinária. E hoje eu diria que esta culinária iorubá é a base, né, da análise de uma diáspora culinária também, não só culinária, mas culinária, que tem o Brasil, Cuba, o Haiti e o sul dos Estados Unidos e uma parte da África no mesmo plano, não é? Então, a consideração da cozinha
baiana, por exemplo, nesse pano de fundo, é completamente diferente do que vínhamos fazendo antes, tentando somá-la ou, enfim, casá-la com a cozinha indígena e com a cozinha europeia. E é diferente de uma maneira bastante interessante. Por exemplo, em meados do século XIX, das principais culturas em Benin, mais especificamente no reino de Uidá, era, em primeiro lugar, o milho e, em segundo lugar, a mandioca. O milho e a mandioca são produtos americanos. Então, esses negros que são escravizados, são trazidos para cá, eles já conhecem o angu, por exemplo, já são acostumados a isso. Não há aí um papel ativo, presente, da cozinha indígena. Já está incorporado isso. Então, eu acho que tem esse pano de fundo. Na multiplicidade de cozinhas populares, vamos dizer assim, eu prefiro a expressão cozinhas populares do que regionais, porque acho que o regionalismo no Brasil tem um componente político que distorce muito a compreensão da culinária, mas nessa multiplicidade há apropriações que fazem parte da ideia, né, de diversidade da nação e outras que são suprimidas. Eu acho que um exemplo, né, de diversidade suprimida é que a colonização da Amazônia se deu toda ela em cima, quase que exclusivamente, em cima do peixe-boi e da tartaruga. Não existe na história da culinária brasileira um registro forte disso. Isso é bastante esquecido, é bastante suprimido. Assim como se suprimiu uma língua que era falado até o século XVIII, que é o Iangatu. Né? Quer dizer, o Pombal acaba proibindo o ensino do Iangatu. Né? E nós completamos essa supressão da influência indígena com a supressão da culinária do peixe-boi e da tartaruga. Por outro lado, como bem lembrou Jean-Pierre, quer dizer, há a emergência da feijoada como símbolo nacional. Nós não podemos esquecer que as feijoadas, no plural, lato sensu, são uma tradição portuguesa, né? Como a Julie mostrou, tem várias expressões. Mas a feijoada brasileira, tal e qual aparece no Rio de Janeiro, que o cascudo vai só identificar completa no Rio de Janeiro, né? com feijão preto, com laranja, com arroz, com carnes e tal, esta feijoada ela é valorizada, transformado em signo nacional, digamos assim, a partir de um esforço que eu identifico primariamente como dos modernistas da Semana de Arte Moderna de 1922, mais particularmente do Mário de Andrade. Ele faz uma viagem de descoberta do Brasil que inclui um inventário da sua culinária, da culinária brasileira. Né? Esse inventário, que ele chama patrimonialização, é depois tratado, né, de várias maneiras, né? Há um esforço de transformá-la numa expressão de arte culinária, né? Mas há também um esforço de explorá-la no sentido de dar essa dimensão nacional, não é? Dar essa dimensão de solidariedade entre coisas diferentes, não é? Então, a feijoada brasileira, ela é isso, ela é um esforço de unificação simbólica também. Eu chamo atenção para um único detalhe, que é a presença da farinha de mandioca. A farinha de mandioca não é o prato nacional por excelência, como diz o Câmara Cascudo. Nós não conhecemos a farinha de mandioca na região que eu chamo de paulistânia, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso. Nestas regiões, por influência dos índios guaranis, o que se adotou foi a farinha de milho. E na construção da imagem da feijoada, a farinha de milho é suprimida. Então, nos chega à mesa a farinha de mandioca, aqui em São Paulo, em Minas, vamos pensar, a partir do século XIX, nos chega à mesa uma feijoada
que tem duas coisas estranhas: o feijão preto, que nós não comemos em São Paulo, por exemplo, e a farinha de mandioca, que nós não comemos em São Paulo. Então, essa construção nacional, né, essa representação que vai aparecer na época, por influência dos modernistas, no Rio de Janeiro, né, especialmente, né, no começo do século XX, é apropriada, muito bem apropriada, pelo turismo, por exemplo, né, a ponto que hoje todos nós, dentro do próprio país, achamos que a feijoada sempre foi assim. Quer dizer, há uma supressão da diversidade da feijoada em prol de um discurso nacional unitário. Assim como houve uma supressão da culinária do peixe-boi, da culinária da tartaruga, em prol de um discurso no tocante às carnes, relacionado com a carne seca, com o frango, com o porco, né? E não com as carnes nacionais, né? Então, esse processo, né, de representação da culinária é tão importante para o nosso entendimento atual quanto o entendimento dos processos materiais de transformação dos produtos naturais, né? Eu acho que esse ponto me chama muita atenção na intervenção do Jean-Pierre e da Julie. Jean-Pierre, e por vous, qu'est-ce que c'est ces fameuses au pluriel culinaire? Ce qui est passionnant quand on prend la question de la cuisine, des manières de manger, c'est que petit à petit, on déroule une pelote et c'est toute l'histoire de la société, toute l'organisation de la société qui arrive à partir de quelque chose, d'un point de départ qui paraissait d'une grande banalité, d'une grande simplicité, et puis qui d'un seul coup donne à voir l'organisation, la complexité. Alors, je voudrais réagir de deux façons, pas réagir, compléter, rebondir. Le premier rebondissement, il est à l'origine quand même. L'origine, il n'y a pas d'origine. Il y a un moment particulier qu'on pourrait situer autour de 1550. 1550, tout le monde se rappelle, il y a l'arrivée sur l'île de Sainte-Catherine d'un galion portugais avec un type dedans qui est un Allemand qui s'appelle Hans Staden. Et ce gars-là, il va être fait prisonnier par les Tupinambas qui ont décidé de le manger. Et on a une mise en scène ici de l'histoire cannibale ou l'histoire du cannibalisme sud-américain. Quand on a fait le livre Dictionnaire des cultures alimentaires, auquel Doria et Julie ont participé, l'éditeur me dit « mais il y a besoin de tellement d'articles sur le cannibalisme » parce qu'il y en avait un cannibalisme, un article fait par un auteur brésilien, il y avait un article plus général, etc. Et je lui dis « imaginez un livre sur le fromage dans lequel vous n'ayez pas un article sérieux sur le Roquefort, sur le bleu d'Écosse. On est dans un nuancier d'une très grande complexité. » Alors, juste deux mots, pourquoi? Parce que de ce livre, Hans Staden est prisonnier et va réussir à se sauver. Et il va réussir à se sauver en essayant de comprendre comment pensent ceux qui le tiennent en prison, qu'est-ce qu'ils veulent faire de lui et comment ils pourraient déstabiliser leur système de croyance, leur système de représentation. Et il va écrire un livre parce qu'il va réussir à se sortir de là. Et Claude Lévi-Strauss, qui a écrit une introduction à ce livre, dit « Nous avons sans doute ici le premier livre d'ethnologie. » C'est-à-dire que vous avez un regard extérieur sur quelque chose qui apparaît absolument incroyable, qui tétanise la chrétienté. Le cannibalisme est quelque chose qui tétanise et on va le retrouver à plusieurs moments et qui va marquer des relations de tension particulières entre les groupes indiens locaux qui ont des cultures, on l'a signalé, très très différentes. Il peut y avoir un nuancier extrêmement important. Mais là, il y a un élément de fracture. On se rappelle que la controverse de Valladolid va en partie reposer pour que le pape ou le représentant du pape arbitre sur l'idée les Indiens sud-américains sont-ils des hommes
comme les Européens ou pas, est-ce qu'ils ont le droit du statut? Et on voit comment derrière, toute l'histoire de l'esclavage, quand on va répondre oui, les Indiens ont une âme, ça ne va pas être simple, hein, ça va se passer, il va y avoir un long débat. Est-ce qu'ils rient comme nous? Pourquoi ils pratiquent le cannibalisme? Et on se rappelle comment les débats sur l'Eucharistie et l'argument que ceux qui vont annoncer la réforme vont tenir en disant, mais en fin de compte, vous les accusez de se manger entre eux, mais si vous croyez à la transsubstantiation, le prêtre qui déchire l'hostie, qui démantèle le corps du Christ, c'est une espèce de boucher, et vous pratiquez le théophagisme. Et là, vous avez une argumentation qui va secouer considérablement la chrétienté. Donc ça, c'est un premier point. J'ai envie de dire, il y a quelque chose qui se joue au Brésil qui, en retour, va télescoper, va renvoyer à toute une réflexion sur la cohabitation, sur le statut sur lequel Carlos commençait à réfléchir tout à l'heure à partir de la réflexion sur la racialisation. On a ici quelque chose qui touche au cœur même de la manière de manger, la manière de considérer la dimension symbolique de l'incorporation. Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir, c'est si on fait une comparaison avec la cuisine française, par exemple, et la façon dont la cuisine française va gérer le nuancier des régions et le nuancier des positions sociales. Il y a quelque chose de particulier dans la cuisine française, c'est une ambition d'académisation. Vous savez, Joseph Fabre, à la fin du 19e, va créer l'Académie culinaire. Et c'est quelque chose de fou. Hein, il écrit un truc où il dit la pharmacie à son académie, la médecine à son académie, produisent des dictionnaires. Et il faut donc que la cuisine ait le sien. Il est très sérieux. Hein. Vous savez, dans la hiérarchie symbolique, la cuisine, c'est de l'ordre du fer. Non, le gars, il dit, oui, il y a une académie, et il va produire un dictionnaire universel de cuisine. Alors, ce processus, il est très important, parce que c'est un processus d'intellectualisation qui va être accompagné parallèlement par un travail d'intellectuels qui vont devenir parfois des critiques, mais le plus souvent des théoriciens, et je pense à Brillat Savarin, qui, dans la physiologie du goût, après avoir pillé passablement Grimaud de la Reynière, opère un travail en marge de la pensée savante pour réfléchir à l'alimentation et à ses relations. Alors, ça, c'est quelque chose qui accompagne parallèlement ce qu'on a clairement au Brésil, c'est une tentative politique de construction d'une unité, mais ce processus d'académisation, on va dire qu'il est plus tardif. On a signalé un certain nombre de noms. Je vois aujourd'hui des choses qui se jouent et Carlos incarne un mouvement de cette nature. Donc, c'est quelque chose qui se joue et qui travaille intellectuellement la matière l'alimentation. Et ça nous amène à dire deux mots quand même de la problématique identitaire. Alors, il y a trois manières de regarder l'identité. La première, c'est l'essentialisation. Ma peau, ma couleur de cheveux, mon type physique m'inscrit dans une catégorie. Alors, elle peut être assignée, on m'y met dedans parce que je suis comme ça, ou je peux l'assumer, je peux dire oui, moi je me reconnais là-dedans. C'est l'assignation, l'essentialisation, pardon. Le deuxième mouvement, c'est l'identité qui se dévoile dans les interactions sociales. Et de ce point de vue-là, la cuisine est fascinante. Alors, je vais faire un écho à la feijoada, les rapports entre le cassoulet et l'identité. Lorsque je suis à Paris, je apparais comme un mangeur de cassoulet.
on ne mange pas tous les jours, mais c'est quelque chose qui m'est posé comme un attribut de ma culture que j'assume avec plaisir. D'ailleurs, quand je reçois des gens à Toulouse, je pose une question, est-ce que vous voulez manger du cassoulet? Et je suis très étonné que très, très, très souvent, oui, alors que c'est quand même un plat un peu vieillot, etc. Mais oui. Mais quand je suis à Toulouse, alors le cassoulet de Toulouse, de Castelnaudary, de Carcassonne, de Cahors, oulala, c'est tellement différent. Moi, j'ai vu un grand cuisinier se ridiculiser hein, en disant qu'il fallait mettre de la tomate dans le cassoulet toulousain. Quelle transgression. Je m'amuse en disant ça. Oui, mais quand je suis à Castelnaudary, le cassoulet de ma grand-mère, par rapport à la grand-mère d'un de mes copains, rien à voir. Elle met des oreilles de cochon. Et vous voyez ici quelque chose qui est une matrice qui va jouer sur des niveaux d'identité différents et qui permet à la fois d'affirmer des identités globales, des identités plus régionales ou de position sociale et des identités ou des micro-identités. Alors, ça nous ramène à Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss disait, dans un travail sur le mythe, vous savez, les anthropologues qui s'intéressent au mythe, pendant longtemps, ils ont cherché le vrai mythe. Alors, quel était le mythe originel? Alors, il y avait des variations, les variations, elles emmerdaient tout le monde, etc. Et à un moment donné, Lévi-Strauss dit, le mythe, c'est la somme de ces variations. Et c'est justement la capacité d'avoir des variations qui crée la structure du mythe. Et je fais une proposition qui consiste à dire une recette, c'est la somme de ses variations. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et on peut l'appliquer au couscous, on peut l'appliquer à la bouillabaisse, on peut l'appliquer, c'est-à-dire qu'on est sur un dispositif qui permet des nuances identitaires à différents niveaux. Et l'exemple de Doria était absolument passionnant sur le maïs ou la farine de manioc, parce qu'on est absolument dans les problèmes d'équivalence fonctionnelle ou d'équivalence symbolique. Et selon un régime que j'adopte, je considère que c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas la même chose, ou je considère que, eh bien oui, c'est la même chose. Voilà, et c'est juste pour dire que ce qu'il y a de passionnant dans cette question de la relation entre la cuisine au sens des recettes et les identités, c'est que ça permet le jeu à des niveaux d'identité et ça permet de maintenir, de garder ce fameux S qui est une des caractéristiques des dynamiques sociales. Les dynamiques, oula, c'est extraordinaire, je viens de faire un lapsus fantastique, alors, qui est une des caractéristiques des dynamiques sociales et parfois des dynamites sociales. Merci Jean-Pierre Poulin. Je lis maintenant à vous, Julie Cavignac. Et après, j'ai une mauvaise nouvelle, il va falloir qu'on finisse. Donc, je laisse la parole à Julie et après, à vous trois, de faire une dernière phrase, une petite minute à chacun. Merci, okay. Julie. Moi, ça m'a fait, tout ce que Doria et Jean-Pierre viennent de dire, ça me fait penser à quelque chose qui s'est passé récemment. C'est avec la patrimonialisation du couscous, mais du couscous nord-africain. Et ici, au nord-est, les gens se sont émus. Il y a eu une émotion parce que le couscous nord-estin était inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Et alors, ça reprend un peu cette idée hein, d'emblème, de marqueur identitaire, hein, que les Nord-Estins sont des mangeurs de couscous. Et ça, c'est, ils en ont orgueil, etc. Mais moi, je crois que ça me fait penser un petit peu, toutes ces histoires, à des questions identitaires, hein, mais aussi des questions sociales, et qui sont... Je crois que ce débat identitaire hein, qui est posé en France, au Brésil, il est posé d'une façon un petit peu différente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au Brésil, excusez-moi, il y a mon chien qui aboie, mais au Brésil, pendant longtemps,
oblitérer toute l'histoire du Brésil qui est en fait fondée sur une histoire coloniale, une histoire très violente. Attendez. Une histoire coloniale qui a été en fait racontée seulement à partir du colonisateur. Et les autres agents, les populations qui ont été soumises à la colonisation, on n'en a pas trop parlé. Et maintenant, on peut dire qu'en fait, la vapeur se renverse. Pourquoi je veux dire ça? C'est qu'en fait, quand on parle de métissage, et même jusque les modernistes, le mouvement anthropophagique, ce que disait Jean-Pierre avec Anstaden, toute cette idée d'anthropophagie, de dévoration de l'autre, du colonisateur pour créer quelque chose de nouveau, en fait, c'est aussi une idée d'union. C'est de de fondement de cette identité pour une identité unique. Mais nous sommes dans une autre démarche, je crois, aujourd'hui, et peut-être ce que Doria dit, c'est de racialisation ou d'exacerbation de ces identités qui sont liées à la race. Mais je crois qu'il y a, en plus de la race, il y a une question sociale qui est fondamentale et qui dépasse le plat, qui dépasse la cuisine, mais la cuisine comme espace social de relations, de relations hiérarchiques et de relations de domination. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on trouve dans les cuisines ? C'est toujours les mêmes femmes, c'est des femmes noires qui sont employées de maison. Et moi, je crois que cette question et ces grands bouleversements de la société, ces bouleversements politiques et symboliques de la société brésilienne qu'on peut voir récemment, c'est qu'en fait, il y a eu des choses qui ont été symboliquement, qui ont été très fortes. Quand la présidente Dilma a fait toute cette réforme du statut des employés domestiques. Et ça a créé une commotion dans toute la société brésilienne, dans les classes sociales blanches, qui ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, les bonnes vont avoir droit. Et alors là, qui n'a pas été accepté. Ça, c'est un grand... Et alors, là, ça met le doigt sur une fracture sociale, raciale, au Brésil, qu'on ne peut qu'observer. Et cette fracture, en vérité, elle existait déjà. Seulement, on n'en parlait pas. Et alors, on a vu aussi cette commotion. Alors, dans la cuisine, cette révolution dans la cuisine, de cette révolution du statut des employés domestiques, mais aussi, on peut le voir dans tous les débats qu'ont créés les quotas raciaux à l'entrée de l'université. Et ces débats continuent toujours. Ça fait toujours ça crée des tensions très fortes. Et aussi, les questions des terres indigènes. Les terres indigènes, c'est mais pourquoi les Indiens ont besoin de tellement de terres? Ça, c'est un des leitmotifs. Mais ce qu'on peut voir, c'est des vieux réflexes coloniaux qui vont revenir très fort, d'une façon très forte, dans toute la société brésilienne. Et moi, je pense que cette histoire de cuisine, ces débats faits autour de la cuisine comme espace social, on peut voir aussi comment les maisons brésiliennes, elles sont construites. Ça marque, et même jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les femmes de ménage, elles devaient, les employés domestiques, ils devaient utiliser un autre ascenseur. Donc ça, c'est, alors il y a beaucoup de films récents, et c'est pas innocent, qui montrent ces relations harmoniques qui sont
on peut dire, contestée, et surtout par les jeunes générations. Hein. Mais aussi, on voit avec ça une appropriation de toutes ces méthodes de faire et une réapproximation des jeunes générations vers une alimentation plus saine, vers une alimentation plus naturelle, vers des modes de production qui sont en harmonie plutôt avec avec le milieu, hein, qui ne pas manger trop de protéines, etc., etc. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on a pas fini de parler de cuisine, et je pense que c'est vrai que les questions se posent d'une façon différente, hein, dans une cuisine française où tout le monde peu ou prou participe, et dans une cuisine brésilienne où encore c'est pas toujours tellement partagé. Hein, donc on va continuer à en discuter, je pense, pendant longtemps. Merci Julie. Se eu bem entendi, eu acho que essa conversa tem que continuar num outro momento, porque agora a gente não tem mais tempo, mas acho que muito interessante até fazer uma discussão só dessa comparação que você fez, muito interessante. Eu vou pedir, então, como o tempo está acabando, para vocês compartilharem com a gente os últimos pensamentos, e aproveitando também, como o tempo acaba sendo curto, se vocês puderem indicar leituras para os nossos participantes, acho que vocês, principalmente o professor Carlos Alberto e o professor Jean-Pierre Poulin, vocês têm livros que podem aprofundar isso, e se vocês quiserem compartilhar, deixa eu passar a palavra para o professor Carlos. Muito obrigado, eu acho que essa é uma discussão, uma conversa no que depender de nós, de mim, do Jean-Pierre, da Julie, é quase infinito, não é? É necessário que alguém diga, olha, estamos chegando ao fim. Não é? Eu acho que, como palavras finais, eu gostaria de colocar as minhas inquietações presentes. Né? Acho que, de um lado, é o reconhecimento de que uma construção política como a nação, né, de uma, a delimitação de uma culinária nacional, talvez não faça mais sentido no mundo atual. Né? E eu prefiro, efetivamente, refletir sobre as cozinhas populares, mais do que a cozinha nacional, embora as cozinhas populares, evidentemente, tenham impactos mais restritos no espaço e no universo simbólico, claro, mas é uma diversidade que eu acho que aponta para a existência de diversidades futuras muito mais do que a diversidade nacional. Né? Isso tem sido as minhas preocupações atuais, e já que você citou bibliografia, eu quero dizer que os meus dois últimos livros, que estavam esgotados, estão sendo reeditados e lançados pela editora Apóstolo, né? E eles são A Culinária Caipira da Paulistânia, né? E a formação da culinária brasileira, que estava esgotada há muito tempo, estão em pré-venda. Eu darei brevemente algum curso sobre eles também. Então, o que eu posso colocar de referência na linha das coisas que eu tenho trabalhado e das coisas que eu falei aqui são esses dois livros, com as suas respectivas bibliografias e o levantamento temático. Eu acho que as reflexões mais gerais sobre identidade, eu comungo totalmente das ideias de Jean-Pierre, né? E eu não posso indicar nada além das coisas dele, especialmente esse magnífico dicionário de cultura culinária, né? Essa obra que nós devemos mais do que reconhecemos até agora. Jean-Pierre, tenho a certeza que no futuro você verá o crescimento da importância dessa obra que você organizou.
coisa pela qual, aliás, agradeço. Obrigada, professor Carlos Alberto Doria. Agora eu passo para o professor Jean-Pierre Poulin, as últimas palavras. E que livro você indica, ainda mais para toda a turma que está vendo e que tem agora acesso ao grande dicionário da Aliança Francesa para facilitar a leitura francesa? Então, pode indicar em francês também, professor Poulin. Pour terminer, j'aimerais convoquer la figure de Josué de Castro, deux minutes, dans cet incroyable texte sur la géopolitique de la faim. Et je pense que nous sommes confrontés, et nous allons être confrontés, à une actualité dramatique dans laquelle il va falloir appeler à l'intelligence, la solidarité, face à des gens qui auront des difficultés, déjà ont, et d'autres auront des difficultés pour simplement manger correctement. Et José de Castro a été un des premiers à nous alerter et surtout à sociologiser et politiser cette question, à sortir cette question de simplement l'univers de la charité ou l'univers de la bonté. Il y a une responsabilité sociale, collective, on a du travail à faire avec ça, et on aura du travail à faire. Alors, sur les livres, moi je voudrais rajouter deux choses, c'est l'Iboca livré de Carlos, qui est toujours disponible, puisque c'est un e-book, et puis Julie, qui a fait un travail qu'elle a co-dirigé, sur la patrimonialisation et le patrimoine, elle va en dire deux mots plus précisément, qui est accessible en portugais, en brésilien, et qui est un travail absolument remarquable. Voilà, et pour ceux qui voudraient lire du français, effectivement, merci d'avoir cité le dictionnaire. J'ai d'autant plus plaisir à le faire qu'il y a eu beaucoup de portugais qui ont travaillé, et que Rosana Proença, de l'Université de Sainte-Catherine, a coordonné un peu le travail sur le Brésil, et que c'est assez rare, il y a un nombre important de Brésiliens qui ont travaillé dans leur langue, et donc on a mobilisé un certain nombre de moyens pour faire la traduction, et le patron des puffs, qui aujourd'hui est décédé, était enchanté de pouvoir rassembler des écritures en quatre langues, autour de ce livre pour essayer justement de récupérer, et ce thème de l'alimentation est absolument nécessaire, récupérer des auteurs qui pensent dans leur langue cette question qui est enracinée dans les cultures locales et dans lesquelles on essaye effectivement de repérer des éléments, on va dire, un peu plus généraux. Et on apprend des choses sur le général en partant de cas très particuliers. En tout cas, merci de cette discussion. Mes deux collègues ont commencé en remerciant, mais je vais terminer, moi, en remerciant et en vous dire le plaisir que j'ai eu à participer à cette discussion. Merci, Jean-Pierre Poulin. Merci. Maintenant, à vous, Julie, dernier mot et les livres que vous proposez. Oui, ben moi aussi, ça a été un plaisir de participer à cette table ronde, même si il n'y a pas de table, il n'y a pas de nourriture, hein, ça manque. Ça, c'est il faut vraiment réparer ça. On va, pour reprendre un peu l'idée de Jean-Pierre, on va faire un colloque entre le 17 et le 19 novembre prochain sur justement l'héritage de Josué de Castro et la question de la faim au Brésil qui on, hélas, hein, le pays est revenu sur la carte de la faim. Et on a, pour ça, on a reçu l'appui du consulat général du Brésil à Recife, de France à Recife, hein, et donc on va, mais ça sera en ligne aussi, hein, donc je vous invite à suivre cet événement. Au niveau des possibilités hein, de recherche, il y en a beaucoup, hein, et je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui sont en train d'être faites sur les questions patrimoniales et les questions de l'alimentation.
les systèmes de production. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants hein, qui viennent me chercher. Je suis un peu démunie et j'appelle au secours Doria qui va participer du colloque et aussi de Jean-Pierre. Hein. On lui envoie des étudiants. Hein. Je pense que ce trio des échanges franco-brésiliens sont déterminants dans ce type de recherche. Au niveau des indications bibliographiques, ben, casse-coude, même si on lui tape dessus, hein, même s'il a beaucoup de défauts, mais c'est quand même la lecture incontournable, hein, avec son histoire d'alimentation. Il y a tout dedans, hein, y a à boire et à manger, comme on dit en France. Mais c'est vrai que c'est incontournable. Aussi, le livre de Peter Fry hein, sur « Pra o inglês ver hein, », qui est sur l'identité, la politique dans la culture brésilienne. En effet, bon, évidemment, les livres de mes collègues, hein, toute la bibliographie, Jean-Pierre a indiqué un ouvrage collectif où il a un article, donc c'est en portugais, c'est un des rares articles de lui en portugais, s'appelle Ensai sobre alimentação brasileira, sobre alimentação, sur l'anthropologie d'alimentação, je sais même plus ce que je dis. C'est disponible en ligne. Et nous avons aussi fait un petit livre, et là je laisse un message à mon collègue qui vient de disparaître, Kennedy, qui est de Caicó, de Seridó, qui a édité avec nous et Danicel Silva, un petit livre qui s'appelle Comida da Terra, qui est un petit livre savoureux et qui est disponible encore si vous êtes intéressé. Vous pouvez prendre contact. C'est délicieux et on savoure un peu ces plats de l'intérieur du Rio Grande do Norte. Si. Donc, je parlais du livre Comida da Terra, Nourriture de la Terre. Hein, c'est comme ça qu'on dit au Rio Grande do Norte. C'est un ouvrage collectif, un petit ouvrage collectif qui a été fait avec Muirakitan Kennedy de Macedo, qui vient de disparaître il n'y a pas très longtemps, Maria Isabel Dantas, Danicel Silva. Et donc, il y a toutes ces nourritures qu'on recherche hein, quand on est touriste à Natal. Il y a carne de sol, paçoca, il y a toutes ces nourritures de la terre qu'on retrouve et c'est disponible. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Voilà, merci beaucoup à vous et puis j'espère que la prochaine fois, on aura vraiment une table devant nous. Esperamos que sim. Eu termino então agora agradecendo a vocês três por ter aceitado essa aventura, principalmente o Jean-Pierre Poulin, que me ajudou, que teve a ideia inicial de tudo, e a Aliança Francesa por promover e dar espaço para essa grande discussão e debate para o grande público, para a gente tirar um pouco da ciência da academia e levar para a sociedade. Agradeço a todos, e quem sabe numa próxima, com comida de verdade, né, Julie? Mas também a gente pode continuar por aqui, enquanto for preciso. Obrigada a todos. Até mais. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.